nous avons deux entraînements par semaine, deux créneaux, donc le mercredi et le vendredi. Mercredi ensemble technique, vendredi ensemble cardio, plus pour les compétiteurs. Thaï, c'est un sport de combat qui est aussi un art martial thaïlandais. C'est l'art martial aux 8 armes, puisque les pieds, les coudes, les genoux et les poings sont des armes. Tu pars là et tu remontes, vas-y. Ouais, bien. J'ai été vice-champion de France cette année, donc champion de la région, j'ai été qualifié. Et d'ailleurs, mois de mai, la compétition se passait sur Paris, dans le 13e. Donc le championnat, j'avais plusieurs combats en mon effectif, et puis j'ai terminé médaillé d'argent, donc vice-champion de France, titre national. Voilà, que je suis content d'avoir ramené au titre au Taekwondo Thai Boxing Club. J'ai aussi mes jeunes qui ont participé à la Coupe de France de boxe birmane. Krolen, sa commune, sa handicap. Les 20 ans où je suis resté ici, quand même le club a fait partie d'un des clubs assez prometteurs et brillants, à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau technique traditionnel, au niveau technique de compétition, au niveau compétition elle-même, au niveau de la formation de ceinture noire et également d'arbitre et tout ce qui fait la vie d'un club. Parce qu'il y a le professeur, il y a les enseignants, il y a les élèves, mais après il faut que ces gens-là prennent le relais. Voilà. Le taekwondo, c'est un sport, donc c'est un art martial, c'est un sport aujourd'hui qui est un sport olympique et qui permet de développer, comme l'a dit déjà Denis tout à l'heure, la souplesse, la maîtrise de soi, l'endurance aussi. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, donc ça va des enfants jusqu'aux adultes, aux vieux, parce que bon, aujourd'hui j'ai 62 ans, je continue à pratiquer, et puis les femmes et les hommes peuvent le pratiquer de la même manière. On a des entraînements qui sont adaptés et qui vont bien. Il faut savoir quand même que le club aujourd'hui, de mémoire, il a pratiquement formé 40 ceintures noires, donc c'est quand même quelque chose qui est, oui, peut-être même plus dépassé, ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui marque, c'est quand même des niveaux techniques qui sont importants. On a des 4e Dan, donc Denis l'a pas dit, mais lui il est 7e Dan. Donc on a quand même eu un palmarès qui est notable, quoi. Alors moi je suis au club de Crawl depuis à peu près 12-13 ans, et puis j'ai commencé en tant qu'enfant, j'ai poursuivi au cours adulte, et ensuite j'ai pu passer les diplômes pour pouvoir devenir instructeur fédéral, et voilà, aujourd'hui j'entraîne enfant comme adulte de tout niveau dans ce club. Ça fait du bien, ça permet de se recentrer, pour certains ça permet de se défouler, c'est bien, c'est une grande communauté, on s'entend tous bien et c'est vraiment un bon moment à partager dans la semaine. Bonjour, moi je suis aide animateur. Alors aide animateur, c'est en fait je vais aider l'instructeur pour les enfants ou à mettre en place des ateliers pour entraîner ludiquement les gens. Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont déjà ouvertes. Vous pouvez trouver nos dossiers sur le site web.